Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Allez, on en profite aujourd'hui et je vous fais faire un petit tour de notre showroom à l'atelier. Alors, je ne sais pas si je vois les commentaires. Pour l'instant, je ne vois pas vos commentaires. Avec notre nouvelle collection que vous avez plébiscitée. Notre jolie bobine fleurie. Nos insectes qui vous plaisent toujours autant. Et d'ailleurs, Christelle a en tête quelques nouveaux insectes qui viendront peut-être agrandir la collection, si elle a le temps de travailler dessus. Allez. Fini de vous faire le petit tour. Notre arbre du printemps qui donne bien envie de voir le printemps arriver. Allez, vous êtes 40 ici, on va se diriger vers le bureau de Christelle qui doit être prête maintenant là-haut. On fait juste un petit coucou à Manon au passage qui est en train de préparer les kits. Des nouveaux potions Morgane, vous nous avez tout dévalisé. Allez, et on monte, on prend l'escalier et on va aller voir si Christelle est prête. Un petit coucou à Reiki. Hey Reiki, tu boudes. T'es là? T'es prête? Ouais. Je viens t'embêter. Allez, je vais laisser ouvert, on dormira pas trop chaud comme ça. Hello Christelle! Salut, tu es en live, salut! Oui, ça y est, je suis en live, je viens t'embêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'embêtes pas? Ben regarde. J'avance là sur la couronne d'été avec mes tons toujours un peu grillés. Je ne sais pas si on voit. Ouais, il y a de la lumière. Ouais, voilà, encore du remplissage, du plumetis, des tournesols, du blé. Le blé, il est trop beau. Il va falloir que je repasse après. Et voilà, salut Sylvie, bonjour, je vois vos commentaires. Ouais, ça, ce sera pas pour tout de suite, hein. Ça va être pour l'été prochain. Septembre, c'est ça, c'est, hein, ça. C'est le SAL sortira, de septembre. Ouais, elle sortira au mois d'août pour qu'on puisse faire le SAL c'est en ça. Septembre. On n'a pas fini on parle d'un SAL, on brode un SAL, le prochain, c'est le vélo et on est déjà il sur celui-là. Il n'est même pas fini d'être brodé, ouais. Que tu es déjà en train de broder c'est l'autre. C'est ça. Et puis bah, là, il faut que je suis en train de bosser sur un petit marque-page. Mais très accessible en fait. On va faire quelque chose pour les débutants, s'inspirant du marque-page, de la trousse bicolore avec ses couleurs. Tu vois que j'ai choisi un peu printanière. Trop beau. Et voilà. Salut Claudine. Je prends mon téléphone en même temps pour vous faire des petits coucous. Et donc, Marion, on est là pour parler des cours aujourd'hui. On est là pour parler des cours. Tu veux qu'on fasse comment? Parce qu'on a sorti les ouvrages là-bas. Ouais. Je me lève et puis je m'assois par là-bas. Allez. Je vais prendre de quoi parler et ensuite on ira peut-être sur l'ordi. Oui, comme ça on vous montrera sur l'ordinateur. C'est bien ça. On va vous montrer. Ouais. Salut Karine. Coucou Nathalie.
Et ouais, des marque-pages, super parfait pour septembre, mon porte-monnaie apprécie. Il nous faut le temps d'économiser un peu des sous. Hein. Non, mais lui, il est juste dans nos... dans c'est nos ça, pattes. Je fais attention pour ne pas lui marcher mais dessus, je me contourne. Tu fais voilà. Alors, les cours, qu'est-ce qu'on voulait dire, Marion? Je fais juste un petit aperçu, ouais, donc comme vous le savez, je donne des cours, je me déplace pour donner des cours. À la fois en boutique, à la fois à l'atelier, mais aussi chez des particuliers. Donc, on en reparlera tout à l'heure. L'idée des cours, c'est vraiment soit de découvrir les points, soit de se perfectionner. Alors, on a plusieurs études de points. Je vais vous les montrer. Alors, je vais passer devant la... Hop. Alors, est-ce que la lumière, elle va être suffisante? Je pense que oui. Ouais, ça va. Donc, faire. Tu vois, là, Marion, c'est une étude de points pour... moi, j'appelle plus débutant, confirmé. On est sur une étude de points pour découvrir les points de base avec du point de sable ici, du point de tige, du point de nœud ici. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est le moment de les poser. On a du point d'araignée surjeté, du point de chaînette, du point de plume ici avec du point de plume en ligne. Salut, coquelicot. Le point d'étoile hein, que j'utilise beaucoup. Salut Isabelle. Du point d'araignée ici. Oh non, il y en a qui décalent leur pause déjeuner pour être avec nous. Du point de chausson. Hier, on a vu qu'il était, il était rebrodé, mais il peut être rebrodé aussi de cette manière-là, tu vois. Enfin, c'est noué même avec des petits points de croix. Donc, vous découvrez, hein, sont des extraits du cahier de broderie débutant. Et salut Laurence qui nous regarde, de la roue festonnée, du point de bouclette. Tu vois Marion, ça... Alors ça, est-ce que quand on n'a jamais brodé, on peut venir faire ça avec toi en cours par exemple? Alors oui, on peut, évidemment, on peut découvrir les points. On a des... Tu veux que je me lève ou c'est bon ça là va. On a des tas de dames qui n'ont jamais touché une aiguille et qui viennent et qui repartent en connaissant l'ensemble de ces points. Évidemment, il faut les pratiquer après, hein, il faut les revoir parce que sinon on les oublie. Mais c'est déjà une bonne base pour... je vous donne tout plein de trucs, plein d'astuces, comment on commence, comment on arrête, comment on reprend. La tension, je suis derrière votre épaule et je vois comment vous brodez. Pour celles qui ont commencé, ça peut être un bon exercice de commencer par un petit kit débutant et de commencer quelques points. Et du coup, vous allez prendre quelques habitudes que moi je vais pouvoir corriger en fait hein, pour vous améliorer. Enfin voilà, pour moi c'est le passage obligatoire pour apprendre à broder. Et il est très compliqué d'aller sur une étude niveau 2 avec des points plus expérimentés et plus délicats. Et pareil pour la broderie blanche et pareil pour les points de remplissage si vous n'êtes pas passé par cette étape-là. Du coup, tu dirais que vraiment cette étape de l'étude de niveau 1, elle est quand même indispensable. Ah ben c'est sûr. Pour moi, elle est indispensable parce que je demeure trop loin, nous dit Nathalie. Ben on verra Nathalie, on va parler après de tout ça. Elle est indispensable parce que je vous donne tous les trucs et les astuces qui vont vous permettre aussi de mieux réaliser tous les autres points. Et si vous brodez bien un point de tige et que vous avez bien compris comment ça se passe, alors vous pourrez faire du remplissage au point de tige. C'est ce qu'on verra sur le kit, le cours sur les points de remplissage, tu vois. Okay. Voilà, alors en fait, les cours, ils durent, ce sera pareil pour tous les cours, à peu près 6 ou 7 heures. Et puis, on expliquera un peu comment ça se passe, hein, les détails, ouais. Okay. Les détails techniques. Hop, après, on a la niveau 2, alors, c'est ça? Alors, peut-être avant de commencer le niveau 2, on peut peut-être montrer les kits déjà qu'on oui, est capable de réaliser. Ouais. Alors, voilà, on vous a sorti des petits kits. Voilà, il y en a alors, ça d'ailleurs, ça j'en profite moi pour le signaler. Manon et Patricia, elles ont travaillé là-dessus et elles ont tout mis à jour sur le site internet, les niveaux pour les kits. Donc, quand vous allez sur le site, que vous voyez un kit qui vous plaît, vous rentrez dans la fiche produit du kit. Ouais. Et là, dedans, il y a toujours marqué sur quelle toile c'est imprimé, le format du dessin et le niveau du kit. Voilà. Donc, nous, on les note en
débutant, intermédiaire et confirmé. Donc, c'était justement une question de Karine Casagrande qui, ben voilà, on vous a répondu. Hein. Tout est indiqué dans le descriptif des kits. Et quand vous voyez des kits, si vous les voyez dans des boutiques, par exemple, et que vous n'avez pas le descriptif qu'il y a sur notre site internet, ben vous avez la petite aiguille qui vous dit. Alors, sur les anciens, c'est moins d'actualité, mais maintenant... je ne sais pas si ça va être tout bon, c'est le bazar là-bas. Voilà. Hop. Regardez, par exemple, là, on a le kit du SL qu'on est en train de broder en ce moment. Et là, vous avez les petites aiguilles. Donc, ce kit-là, il est... Alors, on l'a mis en débutant, c'est vrai qu'il pourrait être intermédiaire, mais comme il est accompagné de SAL, du coup, ça change d'un seul coup, puisqu'en fait, je vous accompagne sur les points de remplissage. Voilà. Donc, mais on avait donc la baleine. Donc, grosso modo, 80% des kits qui sont dans la collection Apicolor et les Sacha, les Salomé sont des kits pour débuter. Vous voyez, celle-ci aussi. Voilà. Là, ça, c'est des kits qui en jettent tout de suite rapidement et qui sont super rapides et, c'est ça. Et gratifiants parce qu'on a vite un résultat fini voilà. Sympa. Donc, grâce au niveau 1 du cours de broderie. Ouais, alors, et c'est en se forgeant qu'on devient forgeron, nous dit Coquelicot. Karine nous dit un régal, la sensuelle. Tu l'as brodé, je crois, hein, Karine. Alors, l'étude numéro 2, est-ce que tu la regardes comme ça ou tu veux que je la tienne ? C'est bon ? C'est bien comme ça, ouais. Alors, des points un petit peu plus délicats avec deux labrys de festonnés. Alors là, vous la voyez de cette manière, mais en cours, on l'aborde de différentes manières pour qu'elle ait plus de... qu'elle virevolte un peu, hein, comme... je ne sais pas s'il y en a dans le coussin d'automne. Non, je crois que c'est dans le printemps que je m'amuse à les tourner. Ouais. En tout cas, voilà, on a du point de chaînette câblée, qui est un point fort délicat. Le point de poste que j'utilise. Alors, vous allez le voir en cours de manière droite, et puis ensuite, on va faire une petite rose. Le point de feston en croissant qui pose parfois problème. Salut Véronique qui nous dit bonjour. Le point d'épine en chaînette, ça, ce sont des points que vous retrouvez dans notre cahier de broderie. On va regarder hein, tout à l'heure le grand cahier de broderie. Le point de chaînette en zigzag, le palestrina, qui est un point en relief que j'affectionne particulièrement. Puis tu vois, dans le cours, Marion, je montre aussi qu'on peut le broder de différentes manières. Et là, il permet de remplir une feuille. Ah, j'ai vu Laurence qui dit bonjour à Julie. Du coup, Julie, et ouais, je te vois super Julie. En retard, mais bonne année. Oh, ben non, et Julie. Coucou, Laurence, au passage. J'espère que tu vas bien, Julie. Et on va peut-être se voir à Sitges, tu nous tiendras au courant. Alors, regardez le petit picot reprisé. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à Brigitte tout à l'heure en lui disant il faut absolument qu'on en mette dans le chemin de table du printemps. On va mettre des points un petit peu plus délicats pour notre chemin de table de l'année prochaine. Notre petit point de malte, tu vois, qui donne beaucoup. Alors, c'est pareil, il y a des trucs, des astuces. Alors oui, il y a les vidéos, mais encore une fois, quand je suis avec vous, ben, évidemment, c'est différent parce que ben, je vois... Et je vous conseille. Et tu peux corriger et conseiller. Ouais, ouais c'est ça. Salut Marie-Estelle, hein, coucou. Nos points d'épines qui portent toujours, qui posent un peu problème à droite pour les gauchères et à gauche pour les droitières. On a nos passés plats et du point de feuille. Ça, j'en mets de plus en plus. Tu vois, ce point, il est trop, trop beau. Voilà, alors... Avec cette étude numéro 2, voilà ce que vous allez pouvoir réaliser. Aujourd'hui, on l'a qu'en anglais, mais vous savez qu'il existe en français. Donc, vous voyez, tous les points de l'étude numéro 1 vont vous permettre de faire la plupart, quasiment tous les points qui sont ici. Hein? On a du point d'étoile. Regardez là, c'est super, c'est du point de mirliton. Celui-là, je l'utilise très peu. Une série de points avant et on passe les fils à l'intérieur. Ça, c'est un point avant rebrodé. On a du point de tige, on a du point avant rebrodé. Les roues festonnées, je travaille beaucoup tous les festons là, tu vois. Le feston droit, les brides festonnées, la roue festonnée. Alors, je regarde en même temps, excusez-moi s'il y a des commentaires. J'ai Raiki à côté de moi qui veut me faire des léchouilles en même temps. Non, Raiki, tu te pousses. Tout ça, c'est, voyez, disons que c'est... Alors, il y a quelques points confirmés hein, qui arrivent quand même sur ces pages-là.
mais qui ne sont pas très, très compliquées. Hein. Voilà, les points de bouclette, les points d'araignée. Et là, Marion, on passe à une autre histoire. Là, vous voyez, on est sur les palestrinas. Voilà, le point de poste. Alors, sur ce cahier de broderie, à chaque fois, vous aurez du point de palestrina en ligne. Et puis ensuite, je vous montre comment on le travaille en courbe, comment on le travaille pour remplir une feuille. Vous voyez, et là, évidemment, on est sur sur l'étude de points plus expérimentée avec tous les petits picots reprisés. Donc, si vous les voyez en cours, vous serez capable de réaliser cet ouvrage. Il y a des dames qui ne suivent pas les cours et qui arrivent hein, aussi. Hein. Après, il y a plein de personnes qui débutent avec ce cahier et qui, du coup, au fur et à mesure des kits et de leurs apprentissages, et ben, du coup, elles avancent sur leur cahier de broderie. Voilà. Les points de couchure. Et puis là, on arrive sur des entre-deux et des bordures. Voilà, donc ça, avec le cours niveau 2, vous serez évidemment capable de faire ce cahier de broderie. Vous serez capable... Alors ensuite, on a... Ah oui, c'est le troisième cours. Oui. Avec... Ça, c'est nouveau. En fait, tu vois, j'ai mis un cours, je regarde en même temps, hein, sur les points de remplissage. C'est le premier cours là que je vais donner à Ruette, hein, en Belgique. Alors voilà, je vais vous expliquer. En fait, je travaille de plus en plus, vous l'avez constaté, sur le remplissage des points. Et ça demande une petite technique. Il faut comprendre comment on prend les angles, comment on brode les rangs les uns à côté des autres. Il faut que les points soient petits. Il y a différentes manières de les broder. Et voilà, donc là, sur ce petit pochon, vous serez... Donc, c'est l'étude de points sur les points de remplissage. Vous serez capable, donc, vous voyez, de remplir avec du point de chaînette, avec du point de nœud, avec du point de plume, mais aussi avec du point d'épine, avec du point de bouclette, ici, en brodant plusieurs bouclettes, du chaînette aussi, parce que tu vois, tu peux bosser aussi le chaînette du centre vers l'extérieur. C'est ce que je me suis amusée à faire ici. Là, c'est pareil, mais le point de chaînette est brodé différemment. On remplit d'une autre manière. Et là, je montre comment on peut remplir, faire du remplissage et au point de tige et au point de feston. Et alors ça, ce cours pour le remplissage, est-ce qu'on peut débuter par ce cours-là, par exemple ? Ben, ça dépend quel niveau vous avez. Si vous n'avez jamais touché une aiguille, non, il faudra passer par le cours numéro 1. Maintenant, si vous avez l'habitude de broder des points de tige et des points de chaînette, mais vous n'avez pas suivi le cours 1, vous pouvez évidemment vous inscrire à ce cours-là. De toute façon, je vais vite voir hein, une fois sur place si vous les maîtrisez déjà ou pas, ces points. Mais pour ça, je vous conseille vraiment de maîtriser ces points de base, hein, c'est certain. Du coup, on peut faire le cours niveau 1 et le cours du remplissage dans la foulée, par exemple. C'est ça. Tout à fait, pour quelqu'un qui débute. Hein. Okay. Vu que je suis loin, comment je fais pour apprendre tout ça? Ben Nathalie, faut suivre nos tutos. Voilà, mais loin, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je me déplace pas mal pour les cours. Hein. On en parlera tout à l'heure. On va voir ça juste après, ouais. Du coup, avec le cours sur les remplissages, eh ben, on a pas mal de kits parce que toi, t'aimes bien ça quand même. Et ouais. Vous voyez, on a le pochon azur, par exemple. Hein. Du coup, j'ai repris hein, tous ces points qui sont là. On les retrouve dans ce pochon azur avec les points de... Regardez, là, j'ai mis du feston, du tige, du chaînette, du tige. Vous voyez? Il y a pas mal de... Bonjour Elisabeth qui nous regarde. Bon dia, Lucie. Je crois que Nathalie est au Canada. Ah, mais Nathalie, je viens au Canada. Justement, là, j'ai les dates, hein, à peu près. Enfin, je sais quand est-ce que je vais venir au Québec. Mais sinon, ben Nathalie, vous suivez nos lives. Voilà avec un cours de points de remplissage que vous allez être capable de faire. En Easy Custo, vous voyez, je me suis amusée à remplir tous ces insectes avec des points. Et oui, Isabelle, il est beau ce pochon. J'adore le remplissage, nous dit Fabienne, et j'ai appris sur vos vidéos. Mais je suis débutante et je regarde beaucoup vos vidéos. Voilà, Fabienne, vous voyez, Nathalie, elle n'a pas assisté à des cours et elle y arrive. Hein.
Il faut vraiment suivre les tutos si vous n'avez pas l'occasion de venir. Qu'est-ce qu'on a encore comme... Pour le remplissage, on a aussi toute la petite collection fleurie là. Oui. Donc là, moi, je vous ai remonté le pique-aiguille. Mais on a le porte-aiguille, on a les trousses, on a l'étui à portable ou à lunettes. Ça, c'est une collection avec le cours de remplissage. Vous pourrez vous entraîner. C'est ça, c'est pas un gros ouvrage. Après, vous avez aussi les trousses, vous avez les piques-aiguilles. On a sorti celui-ci aussi. Hop, j'enlève l'étiquette, c'est pas joli. Mais voyez, si vous avez envie de commencer avec un kit que vous ne suivez pas le cours ou que vous voulez mettre en application le cours que vous aurez suivi, un petit marque-page, petit budget et en fait, vous allez avancer tranquillement sur les points. Ça, c'est la collection Louise. Donc, vous le retrouvez en marque-page, mais on a aussi une pochette et un étui. Oui, c'est ça. I just see that there are some people from Brazil. And if you have any question, you can ask. But we speak about today the lesson, the courses. Hein? Voilà. So, if you have any question, don't hesitate. Alors, ça, Marion, c'est le cours... Ça, c'était le cours du remplissage. Le remplissage. Alors, je suis désolée, on n'arrive pas. On voulait vous parler du cours de broderie blanche, évidemment. Mais on a perdu l'initiale que j'ai brodée. Donc, comme je suis en train d'en broder moi, une autre... Je vous ai imprimé la lettre que Christelle elle a brodée, puis j'ai laissé les impressions en bas. Ah, ben, c'est pas grave. Donc, je suis en train de broder le M. Donc, chaque lettre... Alors, si vous assistez à ce cours... vous pourrez choisir votre lettre, votre initiale, que nous allons broder donc au point de bourdon, vous voyez, en fait, c'est un point de broderie blanche. Donc là, on est sur de l'initiation à la broderie blanche. Vous aurez du petit point de cordonnée, c'est tout petit minuscule, je ne sais pas si on les voit, ou celui-ci presque, on n'est pas tout à fait sur du cordonnée quand même, hein. Mais c'est un point de remplissage tout petit. Et puis, vous aurez à la fois du plumetis, vous aurez aussi du point d'œillet. Y aura-t-il la possibilité de voir ensemble les kits débutants pendant la journée porte ouverte? Bien sûr, Karine, si vous venez à notre journée porte ouverte, vous aurez l'ensemble de la collection à l'atelier. Et si vous passez à l'atelier n'importe quand, vous avez accès à l'ensemble de tous les ouvrages. Et nous, on est là pour vous conseiller de toute façon en fonction de vos envies et bien de votre sûr, niveau aussi. Bien sûr. Donc, porte ouverte donc en septembre. Je partirai au Canada, au Québec, juste après. Voilà. Et donc, pour mettre en pratique... C'est ça, je crois que le point de bourdon, tu l'utilises pas que pour la broderie blanche. C'est ça. En fait, je suis en train de m'éclater avec ce point, avec ces nouveaux points. Vous voyez, sur le pochon qui est là, les deux pochons là, dans les nouveautés, je l'ai mis en application sur un pétale. Voilà. Et on ici. A également le point d'œillet là, juste ici. Ouais, c'est ça. Alors, j'en mets un petit peu partout, en tout cas dans les ouvrages confirmés. C'est pas en mars les portes ouvertes? Ah non, Karine. Les portes ouvertes à Bourgoin, c'est le 7 septembre. Ensuite, vous pouvez passer à Bourgoin quand vous voulez. Il suffit de nous passer un petit coup de fil. Par contre, vous parlez peut-être du cours du mois de mars, non? Ou à la Bégude. Ah, le cours à la Bégude. Peut-être. On va en parler après, ouais. Hein, et de la porte ouverte. Voilà, dans l'arbre du printemps, vous voyez, je me suis aussi amusée. Dans l'arbre d'été. D'été, pardon, j'en ai mis un petit peu sur les animaux, là. Tu arrêtes, Alki. Sur les insectes. Voilà. Alors maintenant, je vais me remettre à mon bureau ou debout pour vous parler des cours. Et tu veux que je me mette là ou bien vas-y, sur va à ton bureau, time, comme ouais. Ça on regarde ton ordi après. Peut-on venir acheter les kits directement à l'atelier? Bien sûr, Tati, c'est fait pour. Aujourd'hui, on a encore deux dames qui sont passées ce matin. Non seulement vous avez l'occasion de voir l'ensemble de la collection, vous pouvez voir comment on travaille aussi à l'atelier. Et puis, ben voilà, on prend du temps aussi pour vous recevoir, ça nous fait plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas loin, alors on va dire à Raiki de sortir. viens Raiki avec moi. Parce qu'il est infernal. Allez. Il est là, il nous commande des câlins.
toujours plus de quel en progrès. Ouais, c'est ça. Donc, les cours, on a parlé, j'ai ma petite, mes petites notes. Du coup, comment ça se passe, c'est ça? Et comment ça se passe pour s'inscrire au cours? Alors, viens voir, viens jeter un petit coup d'œil. Sur le site internet, tu vois, on a ici à droite l'item cours de broderie. Ok? Ouais. Donc, si tu cliques dessus, il y a un petit descriptif avec des photos d'ailleurs hein, de cours que j'ai donnés. On vous explique étude des points de base, de remplissage, les points avancés et la broderie blanche. On vous dit ce qu'on va faire. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, le kit... alors, le prix du cours, ça c'est important. Le prix du cours est de 100 euros par personne. Pour une journée de cours complète. Pour une journée de cours complète. Vous pouvez avoir moins 10% si vous assistez aux deux cours, parce que souvent, il y a deux cours consécutifs. L'idée, point de débutant le premier jour, confirmé niveau 2 le deuxième, ou enfin, on mixe en fait. Hein. Voilà. Et vous pouvez aussi avoir moins 10% si vous venez avec une amie, si vous venez à deux. Ok? À chaque fois, le support est compris dans le kit. C'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce qu'il y a de compris du coup dans les 100 euros ? Tout. Par contre, il est de bon augure de prendre vos lunettes. Si vous avez une lampe, c'est le moment de l'amener. J'en ai toujours, moi. Mais voilà. Ouais. Et vos petits ciseaux, c'est pas mal de venir avec vos ciseaux. Ouais. Ouais. Enfin voilà. Mais sinon, du coup, il y a la toile. Oui. Il y a les fils et l'aiguille. Ensuite, quand je me déplace ou si vous venez là où je suis, je viens avec des kits et du matériel que vous pourrez acheter sur place. Okay? Au moment du cours. Mmh, c'est ça. Donc ensuite, si vous avancez sur le site, vous voyez, vous avez les prochaines dates. Donc Marion, moi, le samedi 9 mars, je suis à la Bégutte de Mazinc. On a déjà une petite dizaine. Il va y avoir de la broderie blanche et je crois un cours confirmé ou deux. Voilà. Donc, eh ben, si vous voulez vous inscrire, vous lisez ici. Vous nous envoyez un mail cours@chatdanslaiguille.fr. Tout est indiqué. Je vous réponds. Vous nous envoyez un chèque pour bloquer votre inscription. Et voilà. Et au moment d'envoyer votre mail, c'est là que vous précisez par quel type de cours vous êtes intéressé. C'est ça. Niveau 1, remplissage. Niveau 2, ou broderie blanche. Voilà. Et broderie blanche, il faudra l'initiale. Vous imprime votre initiale directement sur la C'est ça. Je regarde pas s'il y a des questions. Je dois vous quitter. Ok. Bonjour tout le monde. Ok. Donc, ça, c'est le cours. Si vous annulez, vous avez jusqu'à 15 jours avant le cours pour annuler. Sinon, le chèque est encaissé quoi qu'il arrive. On vous proposera de vous réinscrire à une session plus tard. Mais voilà, vous avez bloqué. Mais en tout cas, il n'y a plus d'annulation possible 15 jours non. avant la date. Ben non, parce qu'on bloque les places pour d'autres personnes, quoi. Donc, c'est compliqué. Salut Myriam, avec du retard. Donc, la Bégutte de Mazinc, c'est à la maison. C'est en Drôme Provençal. On est à 1h50 de Lyon et nous sommes à 15 minutes de Montélimar, pour vous donner une idée, à 1h d'Avignon, par exemple. Voilà, donc il est encore temps de vous inscrire, il reste de la place et évidemment, je viens avec du matériel et des kits. Donc ça, c'est le 9 mars. Ruette, alors il faut que je contacte Marilène, c'est en Belgique. Donc on a mis trois cours en place, les 26, 27 et 28 mars. Le 26, c'est cours 1 et 2. Le 27, c'est cours remplissage. Et le 28, c'est broderie blanche. Donc là, vous passez directement, c'est indiqué par le mail de notre boutique, la boutique partenaire hein, de Marilène, et vous vous inscrivez auprès d'elle. Le prix est exactement le même et elle aura l'ensemble de notre collection, donc vous pourrez acheter des kits. On a aussi ensuite la tour de Salvani chez Karine. Ça, c'est Lyon, la tour de Salvani. C'est Lyon, c'est à 15 minutes de Lyon. Je vais juste boire un petit peu de thé, excusez-moi. La tour de Salvani avec les 5 et 6 avril. Oui, alors tu vois, Marion, on n'a pas mis la broderie blanche. Il faudra peut-être qu'on mette. Parce que en fait, on l'avait précisé pour la boutique de Marianne parce qu'elle voulait bien segmenter les journées de cours. Mais après, les autres, c'est à elle de dire dans le... C'est ça. Mais peut-être que si on rajoute... je sais pas, on va en discuter. Oui, ouais. Qu'elle ne pense pas qu'il n'y a pas la broderie blanche.
C'est ça que je vous dis. Mais comme tout est là-haut dans l'introduction, c'est ça. Bon, on vous dira. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, tout est possible. Voilà. Mmh. Nantes, c'est pareil. Nantes, vendredi 19 et samedi 20. Ça tombe au moment du Salon de l'Amour du Fil. C'est ça. Donc, pour celles d'entre vous qui viennent au Salon de l'Amour du Fil, moi, je donne des cours. Ce sera juste à côté du salon, le vendredi et le samedi. Donc, ça commence à se remplir tout doucement. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que moi aussi, je peux annuler des cours s'ils ne sont pas assez remplis, surtout si je me déplace loin. Donc, on se donne à peu près 15 jours, pareil, hein, pour pouvoir annuler un cours. Et dans ce cas-là, on vous rend votre chèque. Et voilà, pour l'instant, c'est jamais arrivé. Mais voilà. En tout cas, le cours ne peut pas être maintenu en deçà d'un certain nombre de participants. C'est ça, c'est ça. On est aussi à Aix-en-Provence les 31 mai et 1er juin chez Véronique qui nous reçoit. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Et on a aussi notre stage de broderie bien-être. Ça, c'est à la Bégutte de Mazinc. C'est les 22 et 23 juin. Donc, c'est sur un week-end. On brode et on prend soin de soi. On en reparlera. Karim, donc mon chéri, mon amoureux, il est là. Il sera avec nous. Et ce sera un mélange de broderie, de mobilité, de méditation guidée. Voilà, on va se faire du bien à la maison dans un cadre trop magnifique. Vous prendrez les maillots de bain, les tapis et tout ça. Enfin, on aura le matériel. Donc, ça, on en reparlera. Et Marion, on a dit qu'on allait vite programmer un cours à Bourgoin le 17 mai. Le vendredi 17 mai. Donc ça, on va le rajouter. Je vais le rajouter sur le site internet. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire? Alors, les cours. Il y a des projets. Alors, juste avant les projets, ouais. Je voulais parler du lieu des cours. Donc, c'est soit en boutique, soit, vous l'avez compris, chez des particuliers. Ou à l'atelier. Chez les particuliers, donc les projets, il y en a qu'un qui vont se reprogrammer. Donc ça, c'est ce que Marion voulait dire. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on cherche d'autres lieux. Je sais que sur Toulouse, vous êtes nombreuses à me demander, sur Bordeaux aussi. Et il suffit que vous nous appeliez. Si vous êtes susceptible de m'accueillir sur un week-end avec une pièce suffisamment grande pour accueillir 10-12 personnes, assez lumineuse, il faut juste prendre contact avec moi. Et alors, ben oui, vous allez être avec moi pendant 12 jours, vous allez m'accueillir. et donc, voilà, c'est possible. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait à Paris. Donc, c'est ça les projets hein, dont tu parlais. On a Paris, là moi j'ai quelqu'un qui est là pour m'accueillir. On a Brest aussi en projet. On a Viarme, ça c'est Nathalie. C'est Laurence. Nathalie c'est autre chose, pardon Laurence. Et le Canada. Donc, les dates ne sont pas encore sur le site parce qu'il faut qu'on cale, des dates. Oui, Francine qui nous demande le Québec. Alors oui, ça y est, j'ai eu Marie au téléphone. Je vais venir entre le 9 septembre. Alors, les 3 semaines à partir du 9 septembre. C'est ça, les 3 semaines à partir du 9 septembre. Les 3 dernières semaines de septembre. Je vais envoyer des mails donc aux boutiques avec qui je travaille, qui sont susceptibles de m'accueillir. Il y a les brodeuses aussi du Saint-Laurent, on va les contacter très très vite parce que je sais que les cours vont se remplir très vite. Donc j'envoie un mail, je demande confirmation aux boutiques. En tout cas, je serai au Québec entre eux. À partir du 9, pendant 3 semaines, voilà. On a parlé des particulières qui peuvent accueillir, mais bien sûr, là, comme on est en train de le dire, les boutiques aussi peuvent accueillir. Mais bien sûr, hein. Enfin, c'est facile. Si vous êtes boutique et que vous voulez m'accueillir, c'est très simple. Ça, le cours peut se donner dans votre boutique ou si vous avez une salle à côté de votre boutique. Et je viens, je donne le cours. C'est vous qui gérez les inscriptions. Par contre, on communique dessus pour faire venir les dames qui ne vous connaissent pas ou qui ne savent pas, mais qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et vous vendez donc les kits à vos clientes. Voilà. Voilà, écoute, c'est tout. On est pas mal. Projet, la broderie, les jours probablement. Oui, c'est ça, tu veux développer un petit peu, faire d'autres thèmes après de cours. Ouais. Et puis on m'a dit aussi partir sur des petits projets que vous brodez plutôt que des lignes de points. Enfin, on va voir. Et puis des nouveaux points, j'en ai plein en cours. Hein.
Donc voilà, c'était tout, je crois. Donc la conclusion, c'est que il y a une adresse à retenir, c'est cours@chatdanslaiguille.fr. Tu vois, c'est là. Voilà. Et de toute façon, vous retrouvez toutes les informations dans l'onglet cours de notre site internet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien venir à Aix. Eh bien, Karine, c'est facile. cours@chatdanslaiguille.fr. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'inscription, mais c'est parce que c'est au mois de juin. Ça va plus la date approche, bien souvent, et plus les cours se remplissent. Donc, faites vite. Hein. Mais Paris Sud, nous dit Isabelle, oui, j'ai une dame que j'ai rencontrée sur un cours qui est sur Paris Sud, justement. Donc, je vais reprendre contact avec elle. Et alors, vous avez raté, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as déjà fait des cours à Paris au moment du salon à Porte de Versailles. Mais je pense que si on referait ce pas sera la peut-être chose. L'occasion de programmer des cours à Paris à ce moment-là. La broderie blanche, je suppose. À la fin de l'année, au moment du salon création et savoir-faire, excuse-moi. Oui, c'est ça. Karine, oui, la broderie blanche, l'initiation à la broderie blanche, c'est toute la journée. Ouais. Chaque cours, c'est toute la journée. Isabelle nous dit youpi, yes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis, ben, on va s'arrêter sinon. C'est chez un particulier à Aix. Oui, Karine, et c'est dans le centre d'Aix. Hein. Une très, très jolie maison chez Véronique, très lumineuse. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. C'est tout, les commandes, n'importe quoi, les questions. Et vous êtes 69. Est-ce qu'on connaît le lieu pour Nantes maintenant? Elisabeth, je vais attendre encore un peu avant de vous le communiquer. Il est probable que ce soit juste à côté du salon. Hein. Ouais, voilà. Ça va dépendre du nombre de personnes. Bisous, bisous, Karine. Merci pour ce live et bonne journée, nous dit Coquico. Et bien, merci à vous de nous avoir suivis. Combien sommes-nous pour un cours, nous dit Karine. On dépasse jamais les 10-12. Hein. Voilà, et parfois on est bien moins, mais il faut au moins qu'on soit 6 ou 7 hein, pour que je confirme les cours. Mais c'est 12 grands max en tout cas. Pour le Québec, les cours, il y en a partout. Des cours au Québec, il y a Québec, il y a Laval. Saint-Sauveur. Il y a Wool Emporium qui est... Ottawa, c'était pas ça? C'est pas Ottawa, c'est juste à côté. Ouais. Montebello. Ouais. Voilà, et voilà, je crois. Il y aura certainement Montréal, on va contacter la boutique aussi, Raoul. Allez, je vous embrasse. Et ben voilà, j'ai à l'instant un message de Caroline de la boutique à Lavancy, à côté de Lille, qui me dit « Bravo pour la nouvelle collection, je reviens vers toi car je n'ai pas eu de date pour un futur atelier suite à nos échanges. » Donc, il va falloir qu'on organise un cours aussi à Lille. Allez, ben, je vous embrasse, vous prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.